fois le chat rangé. Voilà, la dernière fois que je l'allume un petit coup. Bon, il est sur le côté, il y a. On va regarder comme ça. Il est couché. Donc voilà, à chaque fois que je le range, j'allume un petit coup, voir si tout est en marche. Ah, parce que chaque fois que l'alimentage. Bon. Je vais appuyer un petit peu la partie de la tête. Là, c'est bon, tout fonctionne. Derrière, on a le renne que j'ai rangé hier, tu vois. Et le sofa. Voilà, donc mes trois gros motifs hein, sont vraiment accrochés, les trois. Oh, ouais. Et puis, que je raccroche ça, hein. Je l'applique comme ça quand je l'installe. Désinstalle, mais dès qu'il a installé ou dès que je l'ai rangé, je l'ai redéplié comme ça, hein. Comme ça le fil là-bas souffre moins. Donc, je vais vous montrer comment il s'est accroché. C'est ce qu'il y a beau. Donc, ils sont accrochés tout ça. Là. Là-haut, donc, tout simplement des crochets dans les poutres, hein, du garage, puis les trois sont dessus. Hein. Sont les crochets tout le long là-bas. Voilà, là on a le renne. Là c'est le tapis renne. Ils sont tous mis couchés. Hein. Et le renne ça va encore, et le sapin c'est bon, mais le chat, faut vraiment, quand on le rentre dans le garage, faut vraiment le rentrer à plat. Hein. À plat, à plat. Les autres, on peut les laisser verticalement. Mais alors le chat, il touche la poutre là-haut. Et vous voyez en bas, je vais vous montrer la queue du chat. Que, vous voyez, il est à 1 cm du sol. Hein. J'ai vraiment bien calculé mon coup. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le rentrer à plat le chat. À plat et ensuite on le dresse verticalement dans le garage. Je vous cache pas que c'est un peu difficile, hein, surtout pour le chat. Donc voilà, maintenant il n'y a plus presque plus rien dehors. Voilà, c'est tout pour le moment.